Messieurs, bienvenue à l'émission la plus électrisante de la Complosphère. Oui, il est jeudi 22h, c'est votre rendez-vous, le Cosmos Show avec votre chum Cosmos à l'appareil. Faites du bruit, oui, on va passer une heure et demie ensemble, rempli de cette énergie. Oui, l'énergie qui se ressent, qui est dans l'air, l'énergie électrique. Parce que oui, les médias vous mentent, oui! Et on s'en rend de plus en plus compte, chaque petite nouvelle, chaque petite chose qu'ils peuvent trouver, il fait trop chaud à cause des changements climatiques, il fait trop frais des changements climatiques. Maintenant, c'est la terre est trop chaude, elle fait fondre votre solage. C'est de plus en plus ridicule, vous êtes de plus en plus à voir débarquer. Bienvenue dans le club, bienvenue avec nous. On vit des moments extraordinaires. C'est un moment incroyable pour être en vie. Parce que le bon Dieu a décidé que vous, là, pendant que ça va se passer, c'est votre tour. Et puis, on vous juge, on regarde ce qu'on fait. Et puis, il faut être du bon côté. Et puis, il faut faire les bons choix. Parce que l'avenir de nos enfants est en jeu. Et puis, mais il nous aide, le bon Dieu, on dirait. Tu sais, vous avez vu cette semaine... C'est une nouvelle incroyable! De l'usine Pfizer. L'usine Pfizer, je vais vous la montrer à l'instant, c'est trop... C'est un acte de Dieu tout à fait incroyable, mesdames, messieurs. Si on regarde ça... Tu sais, si on pouvait choisir qu'est-ce qui se passe, ce serait-tu incroyable d'avoir un typhon qui détruit une usine de médicaments Pfizer, mais seulement l'usine Pfizer, uniquement. Détruire l'usine au complet, tout en laissant complètement, en ne faisant aucun dégât, aucun mort, aucun blessé, mais en détruisant une usine au complet. Oh, voyons, je l'ai pas le filmé. Ah, voilà. Donc, acte de Dieu, il se crée au milieu de nulle part une tornade qui va détruire seulement l'usine Pfizer en ne faisant aucun dégât physique. Il y a une garderie à côté qui a été épargnée. Personne n'est blessé parce que bon Dieu a décidé de faire ça sur l'heure du dîner pendant qu'il n'y avait personne. 50 000 palettes de médicaments. Est-ce que c'était des vaccins? Est-ce que c'était des affaires MRI? Je ne sais pas. Mais comment ne pas croire en Dieu après une histoire comme ça? Je veux dire, on dirait que c'est la seule explication possible, mesdames, messieurs. Tu sais, il y a ça. Ça, c'est une preuve de l'existence de Dieu, celui qui se le demandait. Il y a ça, puis les poulets. Savez-vous que les poulets, ça l'explique que Dieu existe? Parce qu'il a décidé de faire l'oiseau qui goûte le meilleur, pas capable de voler. Pour partir à courir et le pogner de même. Ça, c'est un coup facile, regarde. Ça, je vais vous donner une chance. Je vais vous donner une chance avec les poulets. Là. Imagine si j'y volerais, nous, il faudrait qu'on soit dans notre cour avec notre gomme, tau. Il y aurait pas mal plus de végétariens. Donc, l'usine Pfizer, les poulets, Dieu existe, Satan existe. Puis nos élites, ils adorent Satan. Nous autres, on le sait, on va le démontrer ici, avec plein de nouvelles fantastiques sur la culture, entre autres. Il va y avoir Gilles Bellerose qui va être avec nous autres, qui va être dans le Cosmos Show pour nous parler du premier spectacle d'humour du Showbiz 2.0. Ça se passe à Québec. Tout ça, là, il va y avoir ça au Cosmos Show. Donc, vous savez qu'est-ce qu'on fait à ce moment-ci. On ouvre les fenêtres, on réveille les voisins, on appelle la belle-sœur, on appelle son ex... OK, on le crie par la fenêtre. Hey! Mettez ça au Cosmos Show! Cosmos est en feu, ça va être hâte! Il est électrisant comme d'habitude, mesdames, messieurs!
Oui, c'est l'heure du Cosmos Show qui décolle dans 3, 2, 1. Pow! Histoire de la journée, Robert F. Kennedy Jr. est reçu à la Chambre des représentants sur une audience sur la censure. Donc, évidemment qu'il est maintenant candidat à la présidence démocrate. Il va mettre au défi Joe Biden d'être le représentant démocrate pour affronter probablement ultimement Donald Trump si rien ne change. Et il a le vent dans les voiles et il a maintenant une très grosse tribune. Mais les démocrates le détestent parce qu'il a un discours nationaliste anti-mondialiste, anti-vaccin, anti-deep state. En fait, il parle grosso modo, à quelques détails près, comme Donald Trump. Et ça, ça dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les démocrates, ils vont tenter de faire censurer une audience contre la censure. Donc, on va avoir ici une démocrate qui va tenter de démolir Kennedy en disant une quantité d'étiquettes et de noms d'oiseaux, pourquoi on ne devrait pas l'entendre, parce qu'il est dangereux. Bon, je vais vous le traduire un peu, puis après, ils vont voter, à savoir si on ne devrait pas l'entendre ou non. Évidemment, tous les démocrates vont voter pour censurer Robert Kennedy Jr. OK, on ne voudra pas l'entendre sur son audience qui va nous parler de censure. Donc, ça ne peut pas être plus odieux que ça, plus incestueux. Écoutez bien ça, je vais vous le traduire en simultané. On va essayer que ça soit pas si mal avec le son. On y va comme ça. House Rule 11, Clause 2, which Mr. Kennedy is violative of, I move that we remove into executive session. Donc, M. Kennedy, il a fait des manquements à certains points, je vais vous les dire ici. Mr. Kennedy has repeatedly made despicable anti-Semitic and anti- Il a fait des remarques dégueulasses antisémites, contre les anti-asiatiques. Même la semaine passée. Whenever it is asserted by a member of the committee that the evidence or testimony at a hearing may tend to defame, degrade or incriminate any person. Donc là ici elle cite un texte de loi qui dit si on pense que quelqu'un va être là pour diffamer ou dégrader ou faire des choses racistes, on va pas l'entendre. Donc elle essaie de justifier avec ces genres de règlements là où elle dit elle que Robert Kennedy Jr. ferait des commentaires antisémites, que j'ai jamais entendu dire des choses comme ça. Bon. Or it is asserted by a witness that the evidence or testimony that the witness would give at a hearing may tend to defame, degrade or incriminate the witness, and it goes on. Mr. Kennedy, il dit, Monsieur Kennedy, là, among many other things, entre autres, said, il a déjà dit, now about bioweapons. We put out hundreds, j'en connais beaucoup maintenant sur les armes biologiques. Of millions of dollars in, on a dépensé des milliards de dollars là-dedans. Ethnically targeted microbes, pour faire des microbes qui sont capables d'attaquer à travers l'ethnicité. Les Chinois ont déjà fait la même chose. Puis ici, il dit que le COVID-19 attaque certaines races. OK, mais qu'est-ce qui est vraiment bizarre dans cet argument-là? Là, je l'arrête un instant, là. C'est que vous vous rappelez pendant la COVID à quel point il nous rappelait et nous disait tout le temps que la COVID, c'est plus dangereux pour les Noirs, sont plus susceptibles d'avoir la COVID. C'est pour ça que les autres, il faut qu'ils se fassent vacciner en premier. Puis, donc, la COVID s'attaque à plus à certaines ethnies. Donc, c'était très à la mode à ce moment-là de dire que la COVID s'attaquait à des ethnies en particulier. Mais dire que le vaccin s'attaquerait à des ethnies en particulier, ça c'est très, 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 très mal. Fortunately, the races that are most immune to COVID-19 are. The lady making a motion or a speech. I've made a motion. Donc ici, Jim Jordan, il dit, hey, tu fais-tu une motion ou un speech là? Il dit, oh, je fais une motion. To move into executive session because Mr. Kennedy's testimony. Mr. Chairman, I move to table the motion. Donc ici, elle va faire passer les démocrates au vote, à savoir si, selon sa définition, on devrait censurer Kennedy. Puis là, on va voir ici que tous les démocrates vont voter oui, mais ça passera pas et on va l'entendre. Et il y en a sorti des excellentes maintenant qui a le micro
Il est déchaîné ici. Regarde, je vais vous mettre un peu ce vidéo-là qui nous a été traduit là, par Scriptboot, qui nous résume un peu ce qu'il veut dire, puis à quel point c'est important la liberté d'expression. C'est un absolutiste de la liberté d'expression. On l'écoute ici. It's just this, I can't even believe this is a conversation. Like, this is not controversial or taboo. We live in the United States of America, and you have the right to say whatever you want, to print whatever you want, and to read whatever you want. Mr. Kennedy. A government that can censor its critics has license for every atrocity. It is the beginning of totalitarianism. There's never been a time in history when we look back and the guys who were censoring people were the good guys. All of us grew up reading Arthur Kessler, Robert Heinlein, Aldous Huxley, George Orwell, and they were all saying the same thing. Once you start censoring, you're on your way to dystopia and totalitarianism. Hein? C'est bon, ça? Tous les conservateurs qui écoutent ça trouvent ça bien, puis très normal. Puis évidemment, tous les démocrates aussi qui écoutent ça, c'est juste la voix du bon sens. Celle-là n'est pas sous-titrée. Je vais vous la traduire ici. Ça date d'il y a quelques minutes. YouTube deplatformed me. YouTube m'a censuré, m'a déplatformé. I didn't talk about vaccines in that speech. J'ai même pas parlé de vaccin dans ce speech-là. I didn't talk about anything that was a verboten subject. I just was talking about my campaign and things, the conversation that we ought to be having with each other. Je parlais même pas d'affaires controversées ou de vaccins, de choses comme ça. Je faisais juste parler de ma campagne électorale puis le lancement de ma campagne électorale. Americans, but I was shut down. Puis j'ai été, on m'a fermé. That is why the First Amendment's important. Voilà pourquoi le premier amendement c'est si important. Debate, congenial, respectful debate. Le débat respectueux. Is the fertilizer, it's the water, it's the sunlight for our democracy. C'est le fertilisant, c'est l'eau, c'est le soleil de notre démocratie. C'est ça qui fait pousser notre démocratie, le débat. We need to be talking to each other. On a besoin de se parler. Now, this is a letter that many of you signed. Ça, c'est une lettre ici que plusieurs d'entre vous ont signée. Many of my fellow Democrats, I've spent my life in this party, I've devoted my life. Mes amis démocrates avec lesquels j'ai passé ma vie dans ce parti-là, que j'ai consacré toute ma vie au Parti démocrate. Values of this party. Je partage les valeurs de ce parti. There's 102 people sign this. Il y a 102 personnes qui ont signé ça. This itself is evidence of the problem that this hearing was convened to address. Ça, c'est un signe de c'est quoi le problème qu'on doit adresser ici, là. This is an attempt to censor a censorship here. C'est, on a tenté de censurer une audience sur la censure. Donc, je ne sais pas si les 104 signataires qui parlaient, c'est des gens qui ont voulu le censurer, qui étaient du Parti démocrate, c'est ce que je crois, en fait, c'est ce que je comprends là-dedans. Donc, si on se retrouvait avec Robert Kennedy Jr., puis avec ce qu'il dit, on ne le laissera jamais passer, on va tenter de garder Weekend chez Bernie avec le mort vivant, l'épouvantail qu'on traîne un peu partout, puis on lui donne des bébés à manger pour le garder en vie, c'est un peu ça qu'on va faire. Et puis, on va tenter encore une fois d'arrêter de parler ici. Jim Jordan, il veut laisser la parole à Kennedy. Mais là, il dit non, tu ne pourras pas répondre, fini, non, tu n'as pas d'affaire à répondre. Puis là, Jim Jordan, qui est le chairman, il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est moi qui décide, là. Si on veut l'entendre, on va l'entendre. Mr. Chair, Chairman's discretion. I know it's your discretion, but Mr. Kennedy, he has had so much additional time. Il y a eu tellement de temps additionnel là. Well, I think everyone's had additional time. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi tu lui donnes plus de temps à lui? Ben là, je pense qu'il y a des choses à dire. Why are you doing that? Pourquoi tu nous fais ça là? Pourquoi? Specifically for him. Because spécifiquement pour lui là. I just want to explain. Il dit, laisse-moi m'expliquer. Sure, the super PAC. I'm sure the Democrat witness places will be as short as he possibly can. No. Là, il garde, vous voyez, c'est les républicains qui disent, oh, oui, explique-nous. Parce que la noire qui est là, Kendrick Jackson, je crois, je peux me tromper, là,
elle l'accusait d'avoir reçu du financement de donateurs républicains. On ne le connaît pas, tout ça. Donc, c'est la grosse histoire. Puis, il va sûrement en sortir des encore plus grosses, des speeches encore plus gros, parce que je le vois un peu live en même temps, en ce jeudi après-midi, pour ce Cosmos Show. Si vous voulez suivre, l'entièreté est sur YouTube. Ici, ça dure 3-4 heures. 4 heures de temps. Et puis, il y a des feux d'artifice là-dedans. À un moment donné, la vérité va finir par sortir, puis ça sort, et puis on peut voir que vous soyez partisan de Trump, ou si vous n'aimez pas Trump, donc si vous n'aimez pas Trump, votre deuxième choix, Robert Kennedy Jr., pour l'instant, il détruit, il arrache tout du côté du Deep State, et on s'en réjouit. Donc, ça va vraiment bien. On a des chevals dans les deux parties. Puis s'ils se retrouvent, soit ils vont s'affronter, puis s'ils s'affrontent, ben ça sera pile ou face, ça va bien aller. Puis si on ne laisse pas Kennedy avoir la présidence ou la chefferie du parti, eh bien, ce ne serait pas surprenant que Trump, qu'il y ait une alliance entre les deux, puis que Kennedy sera peut-être le vice-président sous Trump, qui sait. C'est à suivre, mesdames, messieurs, c'était l'histoire de la journée, je vous reviens dans un instant. Cowboy qui rit, cowboy qui pleure, le segment culturel country cette semaine, parce qu'il y a plusieurs nouvelles qui ont rapport avec les cowboys, le country, parce que la musique country dans la culture nord-américaine, c'est un peu le parent pauvre que la culture conventionnelle ne s'occupe pas vraiment. En tout cas, au Canada, au Québec, dans les mainstream médias, on les voit presque jamais. Aux États-Unis, c'est un peu plus fort, même c'est dans les plus grands vendeurs, c'est ça qui vend le plus. Mais c'est ignoré par Hollywood et puis les mainstream, parce que je crois que c'est un problème de valeurs. C'est des valeurs conservatrices qui sont transmises dans la musique country. Donc, ceux qui écoutent ça, c'est généralement des blancs, OK, qui écoutent ça. Puis ça, c'est problématique, que ce soit des gens du sud des États-Unis qui aiment des choses, les amateurs de NASCAR. En fait, la musique country, c'est comme le NASCAR de la musique, parce que ça va ensemble, les valeurs de base conservatrices, conservateurs, américaines, la musique country. Et puis, là, ici au Québec, tu sais, dans le showbiz, il se passe ben des changements, là. En ce moment, c'est l'ancienne garde woke qui est en train de se faire remplacer petit peu par petit peu. Et puis, il y a le karma, on dirait, qui est là-dedans. Ici, au Québec, c'est pas vraiment de la musique country, mais ça l'inclut, les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants, un de mes groupes favoris de l'histoire du Québec, un des grands groupes de l'histoire du Québec. Certains diront que c'est Offenbach, d'autres diront que c'est Beau Dommage ou Harmonium, mais les Cowboys fringants font partie de cette crème de la crème qui, tout au long de leur carrière, nous ont fait croire qu'ils étaient des combattants pour la liberté, qu'ils étaient pour le peuple, qu'ils étaient contre l'establishment quand ils nous disaient « si c'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne, poussière d'étoiles » ou bien « l'Amérique pleure » qui m'a fait pleurer moi-même à chaque fois que je l'écoutais, tellement je trouvais ça beau. Je me disais « ça c'est des vrais, ça c'est du monde qui défend le peuple, qui ont des bonnes valeurs ». Mais là, 2020 est arrivé, et puis ils ont resté muets comme des carpes. Ils ont laissé s'installer la tyrannie, comme tout le monde. Comme Loco Locas, qui nous chantait « Libérez-nous des libéraux », qui nous chantait la liberté, l'indépendance. Ils n'ont rien dit. Ils sont allés travailler à TVA. Ils ont liché leur chèque du gouvernement. Ils sont allés faire des émissions avec le premier ministre. Loco Locas a été le premier groupe qui a fait un spectacle avec la passe vaccinale, la passe nazitaire. Il fallait avoir une preuve qu'on a reçu cette injection, cette concoction génique ou cette injection mystérieuse qui est derrière bien des mots selon bien des gens. Beaucoup pensent que c'est derrière ce qu'on appelle les turbo-cancers qui emportent les jeunes à la vitesse de la lumière. On ne sait pas si c'est ça, mais de ce temps-ci, le monde meurt jeune. On en voit tous les jours. Je ne finis plus d'en voir passer sur Twitter. Eh bien là, maintenant, c'est ce chanteur du groupe, collaborateur de
de la CAQ, qui a lancé la mode des spectacles avec la passe nazitaire, qui a invité le premier ministre à parler avant un de ses spectacles, puis se sont fait photographier avec la CAQ, puis le premier ministre, puis François Legault avec les cow-boys fringants. C'est une honte. Là, ils ont fait un spectacle qui a eu bien du succès sur les plaines d'Abraham, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris que c'était des fous-culs, des Éric Duhaime de la chanson, des... tu sais, tellement, tellement de déceptions. Ils ne sont pas les seuls, ils nous ont tous déçus, tous. Dans la chanson, je ne peux pas nommer un chanteur qui ne nous a pas déçus pendant la pandémie. En as-tu un qui était là, qui existait avant? Non, aucun. Maintenant, les Cowboys fringants, on apprend qu'ils annulent des spectacles. Pourquoi? Parce que le chanteur, Carl Tremblay, lui, est atteint d'un cancer. Il nous a dit dans un message Facebook... On l'a écouté un instant ici. On m'a diagnostiqué un cancer de la prostate en janvier 2020. Donc déjà depuis 2 ans et demi, je suis suivi par des gens extraordinaires, des médecins, des spécialistes, des chercheurs et des infirmières. Et... Donc, je dirais pas ici que son cancer est dû à la vaccination. Il a été diagnostiqué en janvier 2020. Donc, il traîne ça depuis 3 ans en cachette. Mais là, il doit se faire soigner, il va perdre ses cheveux, il va perdre sa barbe. On va lui souhaiter bonne chance dans son combat. Puis on va lui souhaiter aussi qu'il mette en perspective ses non-actions ou son silence des 3 dernières années où il a vu sa société dans laquelle il a tant aimé, qu'il a tant chanté pour, se désagréger, se détruire ou voir la haine des médias, puis lui en était complice, ben c'est peut-être le temps de faire une épiphanie. C'est peut-être le temps, là, si t'es face à la mort, comment tu vas être remémoré à la fin? Comment tu veux que les gens se rappellent de toi, Carl? Moi, là, si tu mourrais là, je me rappellerais que t'es juste une carpe, que t'as été un faux cul, que tu nous as fait croire que t'étais là pour la liberté des gens, pour ton peuple, pour le bien du peuple. T'as été un artiste intègre, mais finalement, on s'est rendu compte que t'étais un agent de la propagande gouvernementale. C'est ça qu'on se rappelle de toi pour l'instant, si ton histoire finit là. Mais t'as encore le temps, t'es encore capable de te racheter, puis de parler, puis d'écrire des chansons qui parlent de liberté, qui dénoncent le mondialisme, le World Economic Forum. Dénoncer le mondialisme puis le capitalisme sauvage. Vous avez fait ça toute votre vie, les cow-boys fringants. Là, tu pourrais dénoncer le groupe Bilderberg, tout le World Economic Forum, l'Agenda 2030, le communisme. Hein? Ou bien toi, tu as toujours été communiste, hein? t'es content que les gens perdent toute leur liberté. Bien là, il te reste peut-être quelques mois à vivre, quelques années, bien on va te juger sur ça, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je te souhaite une bonne réflexion, parce que ça, c'est un autre cow-boy au Québec. Moi, aux États-Unis... Il y a des cow-boys qui... OK, c'est la guerre des cow-boys en ce moment. On a eu, dans les derniers mois, le très gros hit « End of the World » de John Rich avec Tom McDonald, une chanson, un genre de « Walk This Way » de 2023. C'est un mix entre le rap et le country. Ça avait eu un très, très grand succès. Super beau vidéoclip. Puis Tom McDonald, lui, c'est un champion. C'est un genre de soul take, mais aux États-Unis, sur les stéroïdes. Il fait hit après hit qui dénonce l'agenda 2030. Justement, ce que tu pourrais faire, Carl Tremblay, qui dénonce les mondialistes, qui est pour le peuple, pour la liberté, complètement indépendant, même pas de compagnie de disques. Donc, John Rich, il a lancé ce qui s'en venait. Maintenant, rien que pour vous montrer à quel point tout change, puis c'est incroyable. Au moment où on se parle, le plus grand succès de l'été au cinéma, la plus grande surprise, c'est Sound of Freedom. Au moment où on se parle, la chanson numéro 1 sur les palmarès, c'est une chanson qui s'appelle « Try This on a small in a Small Town » que je vais vous passer tantôt. C'est incroyable, cette chanson-là, numéro 1, mais bannie partout. Mais, comme je vous dis, c'est la guerre des cow-boys. Parce que le cow-boy qui a vendu le plus de disques dans l'histoire de la musique, puis même dans... pas juste dans l'histoire de la musique country, dans l'histoire de la musique, c'est Garth Brooks. Garth Brooks, qui chie sur son public littéralement d'une manière incroyable, c'est que
il est pas conservateur du tout. Il est ultra woke, démocrate, parce qu'il est dans la gang des mondialistes. Il représente la culture country chez les mondialistes. Mais lui, quand les gens ont commencé à boycotter Bud Light, il a traité les gens qui boycottaient Bud Light de redneck puis de trou de cul. C'est des assholes s'ils font ça, c'est des bigotes. Et puis, donc, il a insulté son public, qui est des buveurs de Bud Light, de toute évidence, pour plaire aux mondialistes, à Antifa, aux démocrates. On le voit ici chanter pour Joe Biden. Fait que là, il s'est mis à dos une bonne partie de son public, puis il en rajoute une couche drette là. C'est parce qu'il nous dit, garde, là, il faut soutenir l'Ukraine, ça, c'est l'affaire la plus importante au monde, OK? Puis là, on le voit ici avec sa femme. Je vais vous le traduire ici. C'est bien important pour lui, là, qu'on soutienne l'Ukraine. Un faux cul à la cale tremblée, mon gars. Bis de Loco Locas, version USA, Garth Brooks, on l'écoute. We stand with Ukraine. On se tient pour l'Ukraine. Especially the refugees. Ah, pas spécialement les réfugiés, là, tu sais. There's a global initiative, and of course, supplies and aid is already spread thin. And this is where you come in. Là, il y a une grosse initiative là, pour aider les réfugiés là, d'Ukraine. Là. Puis là, c'est là que vous pouvez nous aider. Là. We need your help. We need you to donate. On a besoin que vous donniez. On a besoin de votre argent. On demande, mais c'est sûr que c'est bon les prières, là, fait continuer de prier là. Mais faut que vous ayez besoin aussi que vous fouillez dans vos poches pour l'Ukraine. Part of the greatest global relief plan. Puis vous allez pouvoir faire partie là, du plus grand programme de soutien de l'histoire de l'humanité là. Que l'humanité a jamais vu. Je pensais que j'exagérais, mais il a vraiment dit ça. Everybody deserves dignity. Everybody deserves a roof over their head to feel safe. Tout le monde a besoin de dignité et d'un toit au-dessus de sa tête pour se sentir en sécurité. You can be a part of that. Vous pouvez faire partie de ça, amen. So ouais, venez avec nous autres, voyez-vous. T'sais, parce que là, on a besoin de caméraman qui nous tient notre caméra parce que ça nous coupe la moitié de la face, sinon. T'sais, veux dire. Stand up for love. Tenez-vous pour l'amour. L'amour des nazis d'Ukraine, ça, c'est super important. Tu vois, hein? Ah oui, tenez-vous pour l'humanité, parce qu'on a besoin de nazis dans l'humanité. Stand up for Ukraine. Oui, levez-vous pour l'Ukraine. Ça, c'est un chanteur country, le plus grand vendeur de disques country de l'histoire de l'humanité, Garth Brooks, qui vous dit ça. Puis c'est John Rich, justement, qui a retweeté ça parce qu'il trouvait ça tellement ridicule. C'est terminé pour Garth Brooks. Il s'est fait Bud Lighté. Puis, il y en a d'autres, parce qu'il y a un autre coup Bud Light en ce moment. Comme je vous disais tantôt, le plus gros hit en ce moment, c'est une chanson qui s'appelle « Try This in a Small Town ». C'est sorti il y a 5 jours. C'est de Jason Alden. Je vais vous le mettre la version sous-titrée en français parce que les paroles sont très importantes là-dedans. 5,5 millions de vues, donc 4 millions depuis hier, parce que hier, il était à 1 million de vues. Tendance numéro 2 en musique. Qu'est-ce qu'on a selon YouTube? Ici, les tendances. Numéro 1, c'est Seven, d'un groupe coréen. Et puis, Jason Alden est deuxième en ce moment, mais sur iTunes mondial. iTunes mondial, la chanson numéro 1, c'est Try This in a Small Town. Ça, dans le fond, ce vidéoclip-là, cette chanson-là, c'est une chanson qui dénonce Antifa. Il dit « Oui, vous avez pété des gueules à du monde, vous avez pété des gueules à des petites vieilles, vous avez volé des chars brûlés, puis craché dans la face de la police. » C'est ça dans une petite ville bluffonne. Nous autres, on est des bonnes personnes, puis on se protège, puis je pense que vous ne ferez pas long. Donc, je vais vous la mettre ici, dans mon petit écran. Parce que cette chanson-là, ça a été un hit instantané quand c'est arrivé au genre de musique plus du country qui s'appelle CMT. Donc là, ça a commencé la nouveauté. Try This in a Small Town. Wow, tout le monde capote. Mais là, les woke du poste ou les propriétaires du poste
En fait, là, vu que ça parle contre Antifa, c'est pas bon, parce que là, ça dit aux gens de se défendre, parce que dans le fond, ça dit aux gens, les personnes qui vivent dans des petites villes sont conservateurs, puis eux autres, ils ont des guns, puis si vous venez faire la marde d'Antifa comme vous êtes habitués de faire, marchera pas, là. Donc, c'est comme si c'était un peu une chanson pro Cal Rittenhouse, mettons, qui, dans les émeutes d'Antifa en 2020, avait tué quelqu'un en autodéfense. OK? Mais les raisons pour lesquelles on a banni cette chanson-là des ondes, c'est parce qu'on disait que c'était raciste. Mais jamais, vous allez voir dans les paroles, jamais il est question de race. Jamais. C'est comme si les médias associaient que les émeutes et les antifas avaient rapport à la race. Mais tout le monde sait que les antifas, c'est des jeunes blancs, becs de banlieue, qui s'ennuient et qui veulent jouer aux révolutionnaires. Mais, un peu comme dans les années 80, quand ils mettaient des collants sur les albums de rap ou de rock, qui disaient langage explicite, ben ça voulait dire que c'était hot, ce disque-là. On le veut, là. C'est la version-là qu'on veut, pas la version censurée. Donc, les médias ont fait tout un tabac pour censurer la chanson. Résultat des courses, numéro 1 sur iTunes. On l'écoute ici. Try this in a small town. Excellent. So I punched somebody on the sidewalk. Carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Rendre loin dans le chemin. Round here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Yes. Farmers are dropping their own crops for the day. A friend is in need. Donc, j'incite à aller downloader la toune, l'acheter. Regarde, moi, je suis pas un amateur de country, a priori. Ça vient me chercher, c'est bon, c'est excellent, puis ça peut faire chier les woke. Si vous avez des woke comme voisins, vous enchaînez Kid Rock, Tom McDonald, Jason Alden, Try This in a Small Town, numéro 1 mondial. Regarde. Les artistes conventionnels, ils annulent tous leurs shows. Jean-Marc Parent, malade. Céline Dion, c'est terminé. Justin Bieber, c'est terminé. Patrice Michaud est malade. Laurent Jalbert, ses enfants, ont essayé de la tuer. C'est fini. Regarde, Madonna, c'est terminé. Mais d'un autre côté, on a le nouveau showbiz. On a Gilles Bellerose qui annonce ses shows. Naomi Lipoll qui annonce ses shows. On est numéro un partout. Numéro un au cinéma, numéro un de la musique. C'est nous autres qui fait la pluie pis le beau temps dans le showbiz maintenant. Allumé, embarqué. C'était la section Cowboy qui rit, Cowboy qui pleure. On se revoit dans un instant.
Et là, mesdames, messieurs, c'est le grand moment de notre invité de la semaine. Il y a lui qui n'a besoin d'aucune présentation. J'ai parlé de Gilles Bellerose de Games and Roses. Comment ça va, mon Gilles? Ça va bien, puis toi, comment ça va, mon petit homme? Ben regarde, je suis super content de te parler parce que tu réalises quelque chose pour lequel, depuis le début de mon engagement à faire mes émissions et tout ça, je rêve de créer une industrie. Dans une industrie, il y a des spectacles parce qu'on constate que le show business nous a laissé tomber complètement. Puis à un certain moment donné, on espérait réveiller des gens du showbiz, tu sais, pour qu'ils viennent sur notre bord. Puis à un certain moment donné, après un an ou deux, on a fait non, il n'y a rien à faire, c'est impossible. Ils viendront jamais sur notre bord. On pense juste aux cowboys fringants qu'on aurait pensé que probablement, tu sais, ils nous auraient appuyés. Non, ils se sont couchés comme des carpes loco-locasses aussi. Donc, faut créer un nouveau showbiz, une nouvelle industrie. Pour ça, ça prend des artistes. Puis là, dans la pandémie, il y avait toi qui étais même là avant la pandémie, puis que tout au long de la pandémie, tu t'es jamais défilé. Et puis là, hier, t'as annoncé en grande pompe, à la surprise générale, moi-même, je n'étais pas au courant, que là, tu te lances à faire un spectacle d'humour en live. Et t'as annoncé ça hier, puis je voudrais que tu nous en parles. Qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que c'est très rapide. Parce que moi, quand j'ai vu que t'as annoncé ça, là, je pensais que c'était en 2024. Tu sais, parce que des fois, les humoristes, les spectacles sont annoncés un an d'avance. Toi, c'est 3 semaines d'avance. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé pour que tu nous présentes ton spectacle. Je m'égare. Disons que je suis juste confiant que je vais être capable de faire sold out en 3 semaines. C'est pas de la prétention, by the way. C'est juste que il y a tellement de monde qui me l'ont demandé depuis, je te dirais, ça fait un an à peu près, là, que le monde sont rendus là, avoir un spectacle d'humour, quelque chose qui va les faire décrocher pendant au moins une heure, puis qui va leur donner un bon souvenir. Et puis là, tu vois, il y a 2 semaines, on a fait un espèce de test au bar de Vegas, à Québec. J'avais organisé sur le fly de même. Je voulais juste faire un souper avec des gens qui suivent ce que je fais depuis un an puis qui aiment ce que je fais. Puis on avait fait juste un petit souper puis j'avais préparé un petit spectacle. Ça devait durer à la base 45 minutes. Finalement, ça a duré 1 heure. Et puis la réponse des gens était vraiment bonne. Tu sais, puis je me suis dit, OK. Puis le spectacle, j'ai monté ça genre en 1 semaine. Tu sais, c'était pas rodé, j'ai pratiqué quelques fois, mais tu sais, je veux dire, j'avais ma tête, c'était boboche un peu, tu sais, le son, c'était mon synthétiseur, le son, était moyen, j'avais un télésouffleur, c'était ma tablette, calvaire, okay, tu sais, puis mon texte défilait là, puis j'essayais d'interagir avec les gens en même temps. Mais là, tu sais, c'est vraiment, là, on passe à l'étape, tu sais, moi, je passe, mettons, là, puis je veux pas dénigrer le bar de Vegas, on était reçus comme des rois là-bas, le propriétaire est super sympathique, c'est un des plus beaux bars que j'ai vu dans ma vie, c'est tout était A1, mais là, on passe d'un bar à une scène de spectacle, on passe vraiment, là, puis, tu sais, comme je fais jamais les affaires à moitié, moi, tu sais, je voulais pas faire un bar, tu sais, vraiment une scène de bar, surtout avec l'humour que je fais, puis la façon que je l'amène, c'est un mélange de Jean-Marc Parent, puis je veux pas avoir la prétention de dire que je me compare à Jean-Marc Parent, c'est pas ça, mais c'est juste pour donner une idée du style d'humour au monde, ça sort un peu comme Jean-Marc Parent mixé avec Pierre Légaré. Mais imagine-toi Pierre Légaré dans un bar, tu sais, ça marche pas, là. Le monde dans un bar, ils ont le réflexe de parler entre eux, puis bah 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 bah, puis tu sais, le genre d'humour que ça donne, tu peux pas commencer à... Mais j'imagine qu'il va y avoir des sketchs, parce que t'es bien connu pour tes sketchs, tes personnages, donc j'imagine qu'il va y avoir de ça également. Ben oui, effectivement, ben c'est sûr que je pouvais pas faire juste des monologues, puis des histoires, puis des anecdotes, fallait que ça punche avec des personnages aussi que vous connaissez bien, donc des imitations de gens que vous connaissez, là. Je brûlerai pas de punch, mais tout le monde se doute un peu beaucoup de ce qui va de ce qui va popper là. Ben ouais, il va avoir un chandail avec de la moutarde quelque part, certainement. Le cover, va parler de cabanon, sûrement, à un moment donné. on en risque d'entendre parler de cabanon. Je sais pas si t'as vu sur la pochette, il y a une bouteille de moutarde puis une bouteille de ketchup. Tu l'as remarqué, celle-là? Ah, hein? Non, j'ai pas vu. Ah non, mais parce que toi, dans tes sketchs, il y a plein de easter eggs partout. Tu sais, tu peux écouter le sketch une première fois, te concentrer ces jokes que tu dis, mais si tu le réécoutes une autre fois, il y a des jokes d'extra cachés un peu partout. Ah oui, il y a des affaires qui passent en toute subtilité. Ouais, parce que là,
pour la mise en scène, tu sais, ben souvent un spectacle comme ça, il y a un metteur en scène, tout ça, j'imagine que tu fais tout ça toi-même au complet one man show, de la mise en scène à l'écriture, à l'interprétation, à la vente de billets. Ouais. La vente de billets, en fait, je passe par la billetterie de la salle de spectacle Bourgneuf, parce que j'ai géré 50 billets pour juste pour le petit spectacle au bar Le Vegas, puis ça m'a pris une éternité juste pour gérer 50 personnes, là. Parce qu'à la base, je voulais pas que le nom du bar sorte tout de suite, fait que je l'ai dit juste une semaine avant, puis j'ai envoyé par courriel à toutes les personnes, mais là, prendre le paiement, ça c'est tel que tel, mais tu sais, c'est un paiement, c'était juste pour le souper, là, c'était pour payer la pizza. Après ça, après ça, ben, fallait payer, voyons, je te rends. Ben, leur envoyer un email à chacun avec une confirmation, ça. Tout ça, les réécrire à chaque. Déjà là, c'est assez long. Ouais, c'est ça. Tu leur écrire. Fait que, puis là, ben, il y en a toujours qui ont des questions. Puis là, une question engendre une autre. Est-ce qu'il y en a une place où je peux coucher, tu sais? Puis, Et là, c'était rare. C'était l'agent de voyage, en plus. C'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai 320 billets à vendre. Je commencerai pas à, tu sais, je me suis dit, garde. C'est sûr que c'est l'utilisateur qui en paye le frais, finalement. C'est un frais de 5$ par transaction. Fait que, dans le fond, mon billet, moi, il est 35$. Donc, c'est 35, puis... ça revient à 45 au bout du compte. Je n'ai acheté 4 hier, parce que je vais être là, évidemment, à représentation de 18h30. Avec toute ma famille, toutes mes enfants sont contents, sont fans. Ma blonde ne te connaît pas encore ben, parce qu'elle est encore semi-normie, mais ça va, je suis content de l'initier, puis elle va te rencontrer, puis les gens qui vont être là, ça va être vraiment fantastique. Puis là, tu fais tellement pas les choses à moitié, tu fais même les choses en x2. Parce que là, comme premier spectacle, tu n'es pas allé safe. Tu dis, deux représentations la même journée. Pourquoi? C'est du jamais vu. Comment ça, tu as pensé à ça? Deux représentations la même journée parce que d'un, je voulais éviter des frais de déplacement et tout ça à ma première partie, donc Amélie Paul et Samuel Grenier. Je voulais moi-même m'éviter des frais de déplacement, des frais d'hôtel deux fois, parce que là, tu sais, l'hôtel, c'est pas donné, surtout dans ces périodes-là de l'année. Uh-huh. Puis le technicien, puis tout ça, parce que là, il y a des techniciens de son, il y a des techniciens de lumière, il y a des techniciens pour le télésouffleur, il y a des techniciens, moi, je paye, là. Fait que dans le fond, tant qu'à faire déplacer tout ce monde-là pour deux événements différents, la scène va déjà être montée, tout va être c'était, fait que j'aurais pas besoin de... Et évidemment, il y avait une réduction sur le deuxième spectacle. Donc, Donc, c'est pas, comment dire, si tu fais deux représentations, ça te coûte un peu plus cher pour la salle que juste une représentation. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, mais ça pas le double. Non, c'est ça exactement. Je paye pas deux fois. Deux fois, là, honnêtement, c'est pas donné non plus. Je n'ai pas loué la brocante à Gérard non plus. Là. Fait que c'est vraiment c'est une belle scène. C'est professionnel. C'est là que Samuel Grenier avait reçu Idriss Aberkane. Écoute, c'est sûr qu'on s'entend, c'est pas non plus une salle de 1000 personnes, mais c'est intime. Puis en même temps, il va y avoir quand même beaucoup de monde. C'est 160 personnes par représentation. Fait qu'il y en a deux, fait que ça fait 320 personnes. Mais il faut dire merci, puis je trouve ça admirable à la salle. Tu sais, parce que des fois, il y a bien des commerçants, puis surtout des salles de spectacle super commanditées par le Canada, par le Québec, par la ville. C'est ultra woke. Il y en a bien qui ont peur de s'associer au nouveau show business qui est en montée, de toute évidence. Donc, faut les remercier de leur ouverture, puis on va espérer que ça se passe tellement bien que les autres aussi salles comprennent que, OK, il y a le show business commandité par le gouvernement, mais il y a d'autres choses qui est indépendant, puis que ça peut avoir bien du succès, puis le public est bon, puis il est là, puis il est friand de tout ça, tu sais. Exactement. Ouais, parce que, hey, cette semaine, là, tu sais, notre ami Tiger sur Twitter, il a fait une annonce hier, puis il montrait que trois spectacles sont annoncés en même temps du show business 2.0. Donc, toi, puis après au mois de novembre, là, c'est toi qui vas faire, tu vas remettre l'appareil à ton ami Amélie, c'est toi qui vas faire la première partie d'Amélie Paul à Repentigny le 11 novembre. C'est ça. Puis également Lucie Laurier qui fait ses spectacles qui sont complets. Puis on a ça, puis en même temps, si on lit les journaux traditionnels, c'est la quantité de spectacles annulés
de vedettes malades. T'sais, on pense au Cowboy fringant qu'on vient d'apprendre que le chanteur a le cancer. Jean-Marc Parent est malade. Laurence Jalbert, Céline Dion, Madonna, Justin Bieber. T'sais, Laurence Jalbert, d'après moi, est allé voir ses petits-enfants en fin de semaine. Puis, il est de la tuer, hein? C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui arrive. Mais c'est étonnant. Les beaux petits-enfants-là, il faut les watcher. Il faut toujours laisser les grands-parents séparés. Il faudrait lui mettre des masques et les vacciner deux fois plus. Ben, là, il n'y aurait plus de danger. Ben oui, mais c'est quand même incroyable. T'sais, le karma. T'sais, ça se peut-tu? T'sais, parce qu'il y en a, là, il y a des artistes qui ont été traînés dans la boue, détruits pour avoir parlé contre le narratif. Quoi qu'il y en a très peu. Mais on dirait que ceux qui ont parlé pour le narratif, qui sont allés avec le gouvernement, on dirait qu'ils en payent un prix encore plus grand aujourd'hui. Oui. Mais Lucie Laurier, elle en a vraiment mangé plein la tronche, là. Je peux dire que c'est pas mal l'une de ceux-là. T'sais, évidemment, t'sais, on parle d'artiste, là, on parle pas de lanceur d'alerte, parce que sinon, Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est lui qui a payé le plus, tant qu'à moi, là. Ah ouais? Mais, écoute, ils ont tout fait pour essayer de le faire taire, mais ce gars-là, c'est à la vie, à la mort. Là. Il va parler jusqu'à temps qu'il soit dans son trou, là. Mais Lucie Laurier a vraiment eu des heures pas faciles, là. Ouais, puis c'est elle qui a lancé, c'est la première qui a parlé fort, qui a parlé intense. On se rappelle à la manifestation quand elle a parlé aux journalistes de Radio-Canada. Que c'est honteux. Ce qu'elle a fait, ça a été vraiment un gros wake-up call. Je me rappelle à l'époque, les gens m'envoyaient ça sur Facebook parce qu'ils savaient déjà que j'étais un peu rebelle. Et puis c'est elle qui a fait OK, là on part. Puis bon, elle a fallu qu'elle se réinvente, elle aussi. On va lui souhaiter la meilleure des chances. Elle a l'air d'être une personne vraiment fantastique. Puis toi, de ton côté, donc, il y a ces deux shows-là. Puis là, après, à l'automne, il va en avoir encore. Puis là, qu'est-ce que, mettons, dans le meilleur des mondes, pour Gilles Bellerose, il y a ces deux shows-là, l'automne puis l'hiver prochain. Mettons, si tout va sur des roulettes, là, lance ça dans l'univers, qu'est-ce que tu aimerais que ça te mène où ultimement, mettons, là, si on rêve ensemble? Ben, si on rêve, regarde, là, c'est sûr que là, ça fait trois shows en quelques mois. C'est sûr qu'évidemment, si je vois que ça va bien puis que tout, il y a beaucoup de demandes, là, il y en a bien, là, ça, les ventes de billets vont très bien. Si je vois, mettons, qu'il y a vraiment une demande, là, il y a plein de monde qui me demande, veux-tu venir jouer à Montréal? Et je ferme pas de porte, moi, j'en ferme pas de porte. Fait que si la possibilité, j'irai. Puis si... Tu sais, c'est toujours. Moi, je dis pas non plus que. Puis je vais revenir à ta question après, là. Moi, je suis pas. Je prétends pas non plus être. Tu sais, j'ai jamais fait ça, là. Tu sais, donc là, tu sais, moi, je suis habitué, je suis derrière ma caméra, je fais mes petits montages. Là, je vais arriver, je vais livrer une performance que je juge honnête. Mais tu sais, ceux qui pensent que ça va être Yvon Deschamps, puis ça va être bam, 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 une voix en forme! Tu sais, c'est comme. Ça va être. On sait jamais. Tu sais, tu es capable de faire ce que la plupart des autres humoristes sont pas capables, c'est-à-dire de produire une émission d'humour de 45 minutes aux deux semaines, seul, puis c'est bon comme si c'était broadcast. Ouais. Et, je pense n'importe quel humoriste regarderait ça. Lui, il fait ça à chaque deux semaines, tout seul, il écrit ça. Je ne peux pas en nommer un qui est capable de faire ça. Peut-être aux États-Unis, il y en a quelques-uns comme J.P. Sears. Il y a quelques humoristes qui sont un peu dans ce style-là, mais pas 45 minutes comme ça tout seul. Ouais. Fait que tu as des talents que bien des humoristes ont pas. Puis là, c'est à savoir si toi, à transférer ça sur scène sans passer par... parce qu'on sait le chemin que les humoristes passent, c'est des années de bar ou des de fignolage pour trouver leur style, pour développer leur capacité sur scène. Tu sais, dans le fond, parce que ça doit pas être si facile que ça, intéresser les gens à parler de rien d'important. Oui, exact. Juste pour pas qu'on s'égare, je suis pas en train de dire que je suis pas confiant à mon produit. Je le sais, puis j'ai écrit encore des jokes hier, puis j'en rajoute tout le temps, puis je le sais que ça va être sa coche. Je le sais. C'est juste parce que des fois, ce que je veux faire, c'est m'enlever de la pression pour arriver là, calme, puis aussi m'amuser. Parce que là, si je vous promets là, que ça va être là, le plus... Tu sais, ça va être écœurant. Mais
tu sais, je veux m'enlever une pression parce que je l'ai jamais faite, puis je veux arriver là pour avoir du fun. C'est juste ça que je veux, puis rire avec le monde. Puis je sais qu'il va y avoir une certaine interaction aussi avec du monde dans la... Samuel Grenier va être là, tu vas être là, oui. Je pense que Petit Albert va être là aussi. Oui, Petit Albert, oui, il me l'a confirmé hier. C'est ça, Amélie, tu sais, ils vont tout être là. Fait que, tu sais, peut-être qu'il va y avoir des petites jokes d'un show, parce qu'il va y avoir deux représentations, il va peut-être avoir des jokes qu'il va y avoir dans la première qu'il n'y aura pas dans la deuxième, puis bon, des trucs que je vais puncher dessus, c'est sûr. Et d'habitude, j'aime ça finir en musique là, avec deux, trois tunes. Là, je fais, mettons, mes petites tunes que j'ai composées pour dans le temps de la COVID des compagnies. Là, fait que on va finir ça en musique, puis on va rencontrer les gens avant, puis après, puis ça va être le fun. Il va y avoir des goodies à vendre et exclusivité que je t'avais même pas préparé mentalement encore, mais je vais te donner quelques billets à faire tirer. Ouais, je t'avais pas filé. OK, mais pas là. Beaucoup. Donne-moi-en pas beaucoup parce que moi, tu sais, si t'as 320 billets à vendre, je veux dire, c'est pas tant que ça. Je sais que ça va se vendre rapidement. Ça va être plein, puis là, l'engouement va être là. Mais réserve-moi-en. Moi, une fois que ça va être sold out, là, quand je vais arriver puis je vais avoir une paire de billets à faire tirer, ben le monde va se garocher dessus parce que c'est la dernière chance de pouvoir en avoir. Exact. C'est pour ça que j'ai gelé quelques billets puis je vais en donner à gauche puis à droite de même. Pas parce que l'argent, c'est tel que tel. C'est vraiment, moi, je veux vraiment que les gens puissent avoir vivre l'expérience au moins de... Tu sais, là, ça va être autre chose que tout ce qu'on a vécu avant, parce que là, on va être toute la gang ensemble. Tout le monde va être là quasiment. J'ai même invité François Malaga. J'attends qu'il me réponde. Je suis sûr qu'il va être là. Tu sais, puis Julie Lévesque va être là aussi. Écoute, là, on va être une méchante belle gang là-bas. Les gens vont tous pouvoir les rencontrer aussi. Ben oui, avant, puis après. Là, tu me vends ça, puis moi, il y a bien des gens là-dedans que j'ai hâte de serrer la main, puis je suis sûr que ceux qui nous écoutent aussi, les gens qui écoutent sur Internet, c'est pas des vedettes, là, tout le monde est super accessible, rencontrer n'importe qui, vous serrez la main, on est bien contents, parce que dans notre vie réelle, là, c'est juste dans ces événements-là qu'on se fait reconnaître, ben toi, peut-être un peu plus, mais moi, personnellement, quand je vais à l'épicerie au dépanneur à Joliette, là, zéro pin bar, là, j'aime. Ah ouais, toi, il y a personne qui... Personne. Ou peut-être, ben des fois, je vois du monde qui me regarde croche un peu ou qui me regarde, je me dis peut-être qu'ils m'ont reconnu de ça, mais c'est peut-être d'autres choses aussi, mais peu importe, c'est sûr que je vais être content de rencontrer tout le monde qui est là, puis je vais être content de te rencontrer enfin en personne. En fait, je t'ai déjà rencontré, mais tu savais pas j'étais qui à l'époque, fait que là, je le connais lui. Quand j'ai fait mon Super Québec, là, tout le monde, la première fois qu'il me disait, c'est comme, mais t'as donc bien maigri. Ben oui, j'ai perdu beaucoup, j'ai maigri quand même pas mal. Je pesais à 190, je suis rendu à 178, une affaire de même. Donc oui, j'en ai perdu, mais là, l'été, je mange moins, je cours plus avec le chien, je joue plus au hockey, je stresse, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, mais je suis en santé, les amis, ne vous en faites pas. Je suis pas squelettique non plus, j'ai encore ma shape de poire, là, mais je veux dire... ben non, mais c'est parce que les temps ont été durs pour tout le monde, mais commencer l'industrie du spectacle, je trouve ça vraiment fantastique parce que ça nous sort enfin du virtuel. Tu sais, tout ce qu'on a fait de la résistance, presque, à part quelques manifestations, ça a été sur Internet, de manière virtuelle, c'est des amis virtuels. Là, ça va être du vrai monde, ça va être de la vraie argent, de la vraie emplacement, du vrai déplacement. Ça rend les choses tellement plus tangibles pour tout le monde. Puis c'est pour ça que, pour moi, c'est super important que ça soit plein et puis qu'il y ait de la demande, s'il y en a qui veulent le faire venir à Montréal. Tu sais, moi, là, je vais te le dire, là, en quoi je rêve. Moi, je rêve à une tournée de la résistance où il y aurait, regarde, toi, peut-être accompagné de deux, trois autres, une série de dates, je sais pas, une douzaine de dates à travers le Québec, une tournée, tu sais, spectacles, vidéos, présentations. Tu sais, il y a plusieurs, dans l'histoire du Québec, il y a eu plusieurs de ces tournées-là qui ont eu du succès, comme par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, Les Grands Explorateurs, par exemple. T'sais, c'était une tournée de films, spectacles, puis ça marchait bien. Ça peut être un mélange d'humour, musique, en tout cas. Je suis sûr que ce que je dis, il y a bien des gens qui écoutent, j'aimerais ça serait dans mon coin. Un tel, puis tu sais, rendu là, sky is the limit, là, je veux dire, n'importe qui peut être là, puis c'est des beaux moments, mais tu sais, quand on l'a fait à Québec, c'est vraiment là que j'ai... Tu sais, on était juste une 50-60 à peu près, là, c'est une salle privée qu'on avait louée. Puis, on était juste 60, mais c'est là que je réalisais toute l'ampleur du... Tu sais, quand on fait des vidéos comme là, il y a du monde qui t'écoute en ce moment,
on n'est pas conscient qu'il y a du monde derrière le clavier qui écrivent des commentaires, puis qui nous aiment, puis qui nous encouragent, puis que oui, des fois, on reçoit des contributions, puis on voit le nom, mais ça se limite au nom, tu sais. Tandis que là, je jouais devant ces gens-là, je les faisais rire, et tout le monde écoutait très, très attentivement. Ça riait au punch, puis là, je réalisais, je fais comme, OK, quand je suis derrière mon clavier, c'est comme ça, mais fois 6-7. Ils sont tous derrière chez eux, chacun de leur bord, puis ils sont tous crampés, ou il y en a qui sont fâchés, il y a des trolls. Oh ouais, c'est sûr. À travers ça. Mais c'est des humains qui sont là, puis là, j'ai vraiment aimé rencontrer les humains derrière le commentaire, si on veut, là. C'était vraiment écœurant, c'était le fun. Puis une fois que le show était fini, ben là, on était dehors, puis on riait avec le monde, puis c'était vraiment plaisant. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire aussi là-bas, là. On veut rencontrer les gens avant, après, et ça, c'est très important. Puis peut-être juste une petite parenthèse, il va y avoir des goodies, là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en avaient demandé, mais les goodies, c'est il n'y a pas de machine Interact là-bas. Donc, c'est argent seulement, évidemment, il n'y a pas d'Interact. Dis, la résistance, on aime ça, le cash. Ben oui. Payer cash, c'est la meilleure affaire. Fait qu'amenez-vous un peu de blé pour de la merch. Ouais. S'il y en a qui veulent des t-shirts. Vêtements. Voilà, exactement. Ça va être moins cher que de passer par le site internet qui est aux States, que ça prend un mois et demi avant que ça arrive, puis que là, en tout cas, c'est vraiment... Fait que c'est ça. Ça va être un beau moment. Puis évidemment, ben, tu sais, moi, j'en vis aussi maintenant. C'est ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'en vivre. T'sais. Fait que c'est sûr et certain que ça m'encourage. Ça encourage une industrie 2.0, tout à comme fait, tu l'appelles. Tout à fait, ben oui. Tu prends la patente, tu brises la glace, un premier spectacle d'humour de la résistance, du showbiz 2.0 qui crée l'événement, puis après, il faut que ça parte un momentum où ça crée de la demande, puis à un certain moment donné, là, il va y avoir des gens de l'ancienne industrie qui vont te tendre la main, ils vont vouloir faire des shows avec toi, ou parce que si toi, ça marche, puis tu remplis des salles sans agent, sans boîte de communication, sans tu passes de toi chez vous à un public sans plusieurs layers de l'industrie. Ça risque d'inspirer bien du monde aussi. J'ai brûlé des étapes solides, moi, là. J'ai pas fait l'école de l'humour. J'ai pas fait, tu sais, là, j'ai pas rodé de spectacle, rien. C'est une première, en fait, là, parce que c'est pas comme dans le bar, là. C'est une première, là, debout, là, devant, sur une scène. Puis, je sais pas si c'est à toi que je parlais de ça hier en privé, là. Ça m'a rappelé quand que je faisais le petit spectacle au bar de Vegas à Québec, pendant que je jouais devant les gens, je me suis rappelé de quand j'étais ticu. Puis j'avais complètement oublié, c'était sorti de mon cerveau bien raide cette affaire-là, mais quand j'étais ticu, je jouais devant la famille, devant dans un party de Noël, j'improvisais une histoire de bonhomme, de bonne femme, puis de ketchup, ou je sais plus trop c'était quoi la patente, mais en tout cas. Devant ta famille? Ouais, c'est une grosse famille. Là, qu'on regarde, même affaire. On continue, mais je relate au bout. Là. C'est ça. Puis en le faisant devant le monde là-bas, ça m'a popé, ça m'a rappelé ça. En le faisant, je me fais comme, Chris. J'ai déjà vécu ça plus jeune. J'ai eu une pratique enfant. J'ai déjà vu ça, moi. Ouais. Puis là, c'est même affaire sur mon bord. Ma mère a une famille de 13 enfants. Fait que maintenant, ils ont toutes des familles, fait que ça fait des parties de 50, 60 personnes. Puis depuis que je suis petit, chaque partie de jour de l'an, c'était, il y avait un thème, puis là, il fallait faire un sketch ou un numéro ou quelque chose devant toute la famille ou une chanson. Fait que moi, à chaque année, j'ai fait un genre de sketch devant toute ma famille. Puis qu'est-ce qui était fantastique de ça, c'est que ma famille, c'était un public ultra facile. T'sais, j'aurais pu être ultra pourri, puis il aurait applaudi quand même. Fait que ça me donnait un genre de conquis. Ben oui, puis ça va être un petit peu ça tes deux premiers shows, parce que ceux qui viennent te voir, c'est des gros fans. Tu sais, veux dire, c'est pas TVA, à Salut Bonjour qui ont entendu parler de toi, là, tu sais. Non, c'est ça, mais ils comprennent ce que je dis, tu sais, c'est ça. Là. C'est qu'eux autres, quand je vais leur parler, là, 100% de ce que je vais dire, ça va leur rentrer ici, puis ils vont faire comme, ils vont l'assimiler, tu sais, c'est déjà assimilé, eux autres, là, puis ils sont déjà vendus à ma cause, parce que Chris, s'ils sont là, c'est parce qu'ils suivent ce que je fais, là, forcément. Là. Exact. Sinon, exactement. Ça se peut que ça ne soit pas le fun pour eux autres. Ben, comme ma blonde, ça va être un test. Ben, en même temps, c'est la blonde de Capitaine Cosmos, là, est quand même pas si normie que ça. Elle connaît assez des affaires, mais tu sais, elle ne suit pas tout ce que nous autres, on sait. Hey, j'avais une dernière question. Là, vu que ça va être la première fois, là. Ouais.
tabarnane, faut que tu te pratiques. Faut que tu fasses des générales. Comment tu pratiques? Tu t'installes une caméra fixe, puis là, tu te times, tu vois, OK, tu, comment tu visualises, puis tout? Comment je le fais, là, c'est que je m'assois au piano, mais j'ai un micro, c'est un synthétiseur, en fait. J'ai un micro avec un petit peu d'écho, là, juste pour faire comme une salle. OK. J'ai un mur blanc devant moi. Puis là, je figure. Puis, je pars mon recorder sur mon téléphone cellulaire. J'enregistre la voix. Et là, je le fais. Et je calcule, je prends le temps que ça dure pour savoir combien de temps ça dure. Puis là, j'essaie de le refaire plus vite, mais mieux. Puis là, je l'enregistre. Puis je l'écoute dans le char. Puis je l'écoute en me couchant. Puis je l'écoute. Ça rentre, là. Parce que moi, j'ai vraiment, là, problème au niveau mémoire de texte, là, tu sais, quand je fais mes capsules, là, je le fais phrase par phrase parce que j'ai quand même des grandes lignes que je dis des fois, mais apprendre tout le texte, c'est impossible, surtout au nombre de textes que je fais là, dans deux semaines. Là, c'est un texte de fou en deux semaines, je peux pas tout apprendre ça. Et là, pour apprendre ça rapidement, c'est ça mon truc. C'est vraiment de l'enregistrer. En l'enregistrant, puis après, tu te le réécoutes dans tes écouteurs plein de fois jusqu'à dans le char. Que tu vas le dire en même temps. Ouais, c'est ça. Puis, faut que ça sorte fluide. Puis, en fait, dans le char, comme exemple, quand je m'en allais le faire à Québec, je l'écoutais une fois, c'est une heure. Après ça, j'essayais de le dire le plus par cœur possible. C'est impossible. C'est pour ça que ça me prend quand même un télésouffleur. Hein. J'essaie de le dire le plus par cœur possible. Mais là, à Québec, au Le Bourgneuf, ça va être plus punché, ça va être plus, tu sais, ça va être plus, là. Mais ça risque d'être plus long que tu penses aussi. Je pense que quand c'est live, tu risques d'avoir, tu sais, quand tu le fais absolument pas dérangé, tu peux le faire, tu peux le rentrer peut-être en 45 minutes, mais pendant que tu es live, puis tu vas peut-être faire des cracks ou, d'après moi, tu sais, au début, tu vas peut-être faire un peu de crowd work, envoyer des cracks à gauche, pas à droite, je sais pas. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, oui, parce qu'il va avoir. Oui, c'est sûr. Tu sais, fait que quand je calcule 45 minutes, je sais que ça va être une heure. Fait que moi, mon show, il faut que ça dure 45 minutes, puis au final, ça va être une heure. Avec la petite musique à la fin. 3 tonnes. Je veux pas que ça soit trop long, parce que aussi, à un moment donné, de la musique non désirée, si on veut, entre guillemets. Tu sais, de la musique non. Tu sais, comme tu t'en vas voir un spectacle du monde, mais tu te fais jouer 10 tonnes, Chris. C'est pas un spectacle du monde, c'est de la musique. Ouais. Mais quoi que, tu sais, le plus grand de tous faisait ça, puis on y pardonnait. Yvon Deschamps, tu sais, souvent, il y avait un long monologue, puis ça finissait avec une petite chanson triste qui nous faisait réfléchir, l'affaire. Ouais, ouais. Mais ces chansons, personne s'en rappelle vraiment, là. Tu sais, c'est comme ces monologues, l'affaire. Ouais. Mais les 3 petites tunes que je joue, tout le monde les connaît, tout le monde les a déjà entendues, puis le monde va être content. Puis même que je te dirais, ça chantait même. Fait que ça, ça m'avait touché. Là. Je veux dire, le monde, ils connaissent les paroles. Là. C'est comme, OK. Ils l'ont entendu quelquefois. Les gens, tu dis que la vente de billets est bonne, je sais pas si c'était le nombre encore, combien il en reste, mais là, ça fait juste 24 heures que c'est annoncé, puis il reste 3 semaines. Donc, les gens, je pense qu'il faut qu'ils se garochent. Dis-nous où aller pour acheter les billets. Je pense que c'est la salle Le Bourgneuf, mais tu dois peut-être avoir l'adresse pas loin. Je le mettrai à l'écran, évidemment. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est la salle Le Bourgneuf. La scène Le Bourgneuf. Scène Le Bourgneuf. Là, l'adresse, ben, je la donnerai. Là, puis, OK, donc les gens vont sur Google, ils marquent scène Le Bourgneuf. Là, quand vous allez arriver là, vous cliquez sur programmation. Ouais. Puis là, vous allez voir, il y a deux événements. Donc, c'est comme deux. Donc, il faut choisir au départ si on veut y aller à 13h ou à 18h30. C'est ça. Puis une fois que c'est là, ben vous remplissez la salle, puis vous arrivez tôt. Si vous voulez rencontrer les gens, vous voulez rencontrer Capitaine, vous voulez rencontrer Amélie, vous voulez rencontrer Petit Albert, regarde. La clique VIP de ceux que vous connaissez. En tout cas, il va en avoir plusieurs. Puis il va sûrement s'en rajouter. Fait que ça va être un happening. Puis moi, je voulais te remercier de nous avoir. Parce que ma famille et moi, ça fait souvent qu'on se faudrait aller passer la fin de semaine à Québec. On a ça. Puis mes enfants n'ont jamais vu le vieux Québec, tout ça. Ouais. Ben, ça nous a donné l'occasion, quand j'ai parlé de ça à ma blonde, si je pouvais y aller. Parce que je demande toute ma permission à ma blonde. Mais ben, tu vas y aller avec toi. Oui, c'est ça. Y aller. Mais oui, j'ai dit, garde, ça va être écœurant. Moi, je le promote, puis tout, ben gars, je vais y aller avec toi, on va passer la fin de semaine là, on va amener les enfants, fait que ça va être bien le fun, puis donc j'invite tous les auditeurs à faire de même. Un gros merci, je te dis un merde pour ce show-là, puis dernier petit conseil, visualise-toi dans la salle, sa scène, visualise ce que tu vas voir, visualise-toi que ça va bien aller, visualise-toi en champion, visualise le succès,
Moi, je crois à ça. Oh, que, ouais. La projection positive dans l'avenir, ça fait arriver des choses. Tu sais, mais je t'ai dit, ça en prend des choses. Moi, des fois, j'ai dit des affaires qui sont pas 100% vraies au moment où je le dis, mais de le dire, puis de l'envoyer dans l'univers, puis de le voir comme ça, ça fait les choses arriver d'après moi. Fait que un gros merde. On va suivre toutes les activités, puis on se voit en personne le 12 août à la salle de Bourgneuf. Moi, je serai là à 18h. En tout cas, on va peut-être savoir avant, mais dans l'après-midi, je vais être autour du théâtre. Et puis, ça va me faire plaisir. Et puis, on se revoit bientôt. Merci beaucoup, Gilles Belle-Rose de Games and Roses. Hey, merci, Cosmos Boy. Bye-bye. Salut. OK. De retour à l'émission la plus électrisante de la complotosphère avec le complotiste le plus électrisant, le The Rock de la complotosphère québécoise, Cosmos. Mais certainement pas le plus humble. Bienvenue au Cosmos Show. Yo! Hey! Juste pour vous montrer comment tout change. Et puis, tu sais, je cherchais des fois des mauvaises nouvelles parce que moi, je parle tout le temps des bonnes nouvelles. Eh bien, encore cette semaine, c'est tellement plein de bonnes nouvelles. Puis, ça, c'est mon fil Twitter. Si vous voulez vous abonner, je suis à... Toujours bienvenue, je vous invite à me suivre sur Twitter, il se passe plein d'affaires le fun là. Puis là, j'ai retweeté une petite vidéo qui nous a été transmise par Thérèse Duquette. Je sais pas si c'est elle qui l'a faite, mais ça nous montre au Québec le showbiz là. Même s'il est payé par le gouvernement, en très grande partie, sans le gouvernement, aucun de ces artistes-là aurait des carrières, de toute évidence. À quel point ça va mal? On a ici, bon, garde, la star québécoise n'est plus montée sur scène depuis un concert à Newark. Donc, elle parle ici de Céline Dion, sa tournée Courage, c'est terminé. Donc, on n'entendra certainement plus jamais parler de Céline Dion en spectacle. C'est la fin. Puis là, on a un petit montage qu'il y en a plein d'autres. Puis elle nous dit avec la petite musique, ça va bien. Jean-Marc Parent! Et puis, ah oui, ben ça ici, faut je veux les commenter chacun. Donc, Jean-Marc Parent, qui lui avait été engagé par le poste de Haine, évidemment, à TVA, pour faire un genre de remake de leur JMP, chose de même. Puis là, il faisait la promotion des vaccins. Comme moi, les vaccins, amenez-moi-en, cordez-moi là à chaque un par jour. Je pense que c'est lui qui avait inspiré notre gros épée là, des manifestations. Un vaccin par jour éloigne les médecins pour toujours. Jean-Marc Parent était dans cette gang-là, l'hypochondriaque, a fait sa carrière sur sa peur de la maladie, et puis il représente bien le Québécois moderne, le Québécois tapis, le Québécois moyen, la moyenne des ours. Jean-Marc Parent, c'est pour ça que le Québécois moyen se voit en lui. Il est aussi peureux que lui. Ça me fait penser un peu, Yvon Deschamps a fait un monologue là-dessus sur la peur, un spectacle complet sur la peur d'être Québécois. Jean-Marc Parent représente ça. Puis, si on y fait peur, on peut y faire n'importe quoi. Maintenant, ben, il est pris avec des gros problèmes de santé. Bon, ben là, Dan Bigra lui annonce une mauvaise nouvelle pour sa santé. Dan Bigra, on se rappellera que lui, il était tellement pro-vax, puis woke, que là, lui, il voulait vacciner les gens de force en utilisant une arme qu'on appelle une sarbacane. Pouh! Donc, tu vois un non-vacciné dans la rue, pouh! Tu le vaccines de force. C'est ça qu'il voulait. Puis malgré qu'il a envoyé toute cette haine-là, toujours pas perdu son contrat de grosse voix, la légende de Ram. OK, lui a pas perdu son contrat pour avoir menacé de violence une partie importante de la population. Dan Bigra, il a rien perdu. Mais il a perdu son intégrité, il a perdu l'amour du public, il a perdu que quand il écrit quelque chose sur Twitter, il se fait démolir à chaque fois. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a accusé d'agression quelconque, ça, j'en sais rien. Je veux pas l'accuser de ça. Il y a le karma. T'as voulu... Jean-Marc Parent fait la promotion du vaccin, ça va pas bien. Céline fait la promotion du vaccin, ça va pas bien. Toi, ça va pas bien non plus. Carl Tremblay, ça va pas bien. Tout en train de... Hein? Il vous reste du temps pour vous racheter. Essayez donc, avant de mourir... Dire quelque chose qui a de l'allure ou non, la seule chose qu'on se rappelle de vous autres, c'est ton commentaire que tu voulais vacciner le monde de force, mon Dan. Encore le temps, là. Hein? Dan Bigra, avant de crever, là, dis quelque chose qui a de l'allure pour la liberté du monde. Excuse-toi. Ça va te faire du bien, je pense que ça va te guérir. On continue, ça va bien. Bon, hell.
Mélissa Bédard, ça, c'est l'équivalent de notre LISO. Tu sais que chaque marché a besoin d'une grosse noire pour faire la promotion du body positivity. Fait que si t'es grosse, en plus t'es noire, si en plus ça serait lesbienne, l'est-elle, ça serait bingo en tas, là. Donc, elle, évidemment, rien dit pendant la pandémie. Elle a certainement eu son selfie avec son vaccin. Elle nous dit qu'elle est malade. Elle annonce une triste nouvelle. Mélissa est malade. Elle reste forte dans l'article. Un autre, ça va pas bien. On continue. Patrice Michaud! Patrice Michaud, je dois avouer que j'aime bien de belles chansons. Il fait des belles images des fois. Non, t'écris bien. T'as du talent pour écrire. Évidemment, si tu mettais ce talent-là au service de la liberté, hein, puis tu critiquais le gouvernement, là, tu voudrais quelque chose à nos yeux. Là, pour l'instant, t'es juste un BS de luxe. Oui, il y a un certain talent pour écrire des rimes, mais bon. Donc, Patrice Michaud annule ses spectacles estivaux pour des raisons de santé. Ah! Est-ce que le turbo... Le turbo-cancer, c'est ce que nous verrons. Ah, oh, Laurence Jalbert qui, elle, est allée confronter Éric Duhaime, OK? À tout le monde en parle. Vous dites, mais là, moi, je veux pas que mes petits-enfants me tuent. Mais, ben, c'est sûr, tu dois être ami avec Jean-Marc Parent, t'es malade encore. T'as dû combien de doses, ma Laurence, t'as reçu? Donc, ça devait être à chaque 5 mois depuis 3 ans, ça devrait être à 8-9 doses, là. Peut-être une de plus, ça va être la bonne, ma Laurence. Ça, tu vas aller voir tes enfants, mes petits-enfants, mais pas tes petits-enfants, c'est bien trop dangereux, tu sais, ils peuvent te tuer. Donc, les cow-boys fringants, c'est une Michel Côté qu'on a perdu. Donc, mort là avec, karma, mais là, j'ai peut-être rien dit. Bon, elle, la plus grande propagatrice de haine. Donc là, ça fait 2 semaines, là, c'est assez tard, là, ça fait assez longtemps qu'on peut y chier sa tête, là. Regarde. T'as peut-être eu une carrière qui a de l'allure, mais les 3 dernières années ont scrappé complètement. Tu sais, c'est comme quand on les juge en plongeon. OK? À la fin, l'entrée à l'eau, là. Tu sais, pour qu'il n'y ait pas gros d'éclaboussure, là. C'est ça que les juges se rappellent, puis c'est ça qu'ils jugent tout le plongeon. Mais toute ta carrière, là, c'était un long plongeon, mais ton entrée à l'eau, c'était un gros flat dégueulasse qui nous a montré que t'étais une propagatrice de haine. Puis je sais pas si tu m'écoutes en ce moment de où. D'après moi, ça brûle. Il doit faire ben chaud. Où est-ce que t'es? Puis tu dois pas aller ben pantoute. Ou à moins que le fameux commentaire que t'as fait contre la pédophilie en 1990 aille sauver tout. On sait pas, bon Dieu, à quel point il est sévère. Je le sais pas. Mais regarde, ce qu'on va se rappeler de toi, c'est un gros flat à l'arrivée. Puis t'es été une femme haineuse qui a tout effacé les 75 années qui ont précédé. Malheureusement. Donc, ça devrait être... Les autres qui écoutent ça, là, qui n'êtes pas morts encore, là, sauvez la mémoire qu'on va avoir, qu'on va se rappeler de vous. On reste le temps. Ah ben non! Luc Lavoie! Lui, il voulait aller à la chasse aux séparatistes. C'est une autre affaire, mais qui nous a traité de coucou, qui nous a traité de tous les noms. Atteindre un cancer, se retirer des ondes. Est-ce que ça va être un turbo-cancer pour lui? C'est ce que nous verrons, mesdames, messieurs. Donc, on a ça d'un côté... Puis là, ça, c'est pas à l'international. Il y en a plein d'autres. Justin Bieber. Et tant d'autres. D'un autre côté, qu'est-ce qui est numéro 1? La chanson Try That in a Small Town. Man. Donc, on a vu ici l'ancien showbiz s'écrouler. Tout le monde est malade. D'un autre côté, Tiger ici nous fait la présentation de pas un, mais 3 spectacles du show business 2.0 qui s'en viennent. Il y a Gilles Bellerose qui va être avec nous autres dans l'émission. Une super entrevue, restez avec nous autres, ça va être super bon. On va parler de ce spectacle-là avec Gilles. The Games and Roses. Et puis, donc, le 26 août, un autre concert qui est déjà complet de Lucie Laurier. Concert, je pense, c'est piano-voix. J'en ai entendu que du bien. Il paraît que c'est une soirée magnifique. Ceux qui sont allés là, j'espère qu'elle va en faire d'autres. Et puis, on annonce également un spectacle rock de Amélie Paul le 11 novembre à Repentigny. Et cette fois-ci, ça va être Gilles Bellerose qui va faire la première partie d'Amélie. Et puis, donc, c'est on a la même journée, ces 3 spectacles-là ont annoncé. Là, c'est parti. Après, il va avoir de la demande, il va en avoir d'autres, il va sûrement avoir des tournées. Donc, c'est pas mal fantastique tout ça.
C'est le show business qui change et puis on est là pour l'aider. Donc ici, le spectacle, deux représentations la même journée de Gilles Bellerose, Games and Roses à Québec. J'y serai avec mon collègue du duo Majestic. On va être là avec nos familles respectives. Amélie Paul va être là également, Sam Grenier va être là et tant d'autres. Soyez-y en grand nombre. Achetez vos billets. Donc vous courez, achetez vos billets. Ici, j'ai mis l'adresse. L'endroit où on achète les billets, c'est à lascenelebourgneuf.com/programmation. Donc, soyez-y, mesdames, messieurs, 320 chanceux vont avoir la chance de se bidonner avec la crème de la crème des humoristes. Donc, moi, j'y serai pour la représentation de 18h30 avec toute ma famille. Amélie Paul y sera, donc voilà. Et puis, juste avant de passer au prochain petit segment, une petite vite en passant. Vous savez, dans mes séries d'émissions Popstar et l'Occulte, que je dois vous en faire une nouvelle, d'ici une semaine, il va y avoir une nouvelle Popstar et l'Occulte 19, je crois, qui va être pour mes supporters sur Locals, Cosmos Info sur Locals. Ça coûte 8$ par mois pour me soutenir. Et puis, je vous donne une émission de Popstar et l'Occulte pour vous en exclusivité. Donc, je parle souvent de symbolique dans la musique rock, dans la musique pop, dans le rap, tout ce qui est symbolique. Puis ici, c'est ressorti cette semaine. Ça nous vient de Reptile Hybride. Ça, c'est une pochette d'album de 1973 d'une chanson qui s'appelle Billion Dollar Baby, le bébé à 1 milliard. Et puis, vous voyez tout ce qui est la symbolique là-dedans. Donc, on a évidemment le bébé qui est maquillé un peu avec le maquillage qu'Alice Cooper avait à l'époque, les yeux noirs, mais ça fait comme les yeux de panda, comme vous voyez si vous êtes... je ne referai pas tout Pizzagate, mais dans les symboles de Pizzagate, le panda est important. On a souvent vu Lady Gaga en panda. Ça représente qu'un bébé, quand il se fait agresser ou sodomiser, devient avoir les yeux tout noirs comme ça. C'est ça que ça représente. Là, on a l'argent, donc... agresser des enfants, ça fait beaucoup d'argent. On a ici aussi tous les lapins qui sont là. Pourquoi les lapins? Ben, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc, suivre le lapin pour aller dans le trou du lapin, passer à travers le miroir, c'est une histoire d'agression sexuelle. C'est aussi le symbole de l'adrénochrome. Là, les molécules, le symbole des molécules d'adrénochrome, c'est ça, le symbole de la molécule, ça représente un lapin. Donc, c'est pour ça que le lapin est super important. Une autre pochette ici de Million Dollar Baby, qu'on le voit encore avec les yeux noirs et comme si c'était des reptiliens. Puis, dans l'image, on voit également des cages ici, parce que donc, il y a les bébés en cage, les bébés qu'on agresse, les bébés qu'on prend, de l'adrénochrome, ça fait faire beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a tout ça sur la pochette. En 73, les gens ne voyaient pas ça passer du tout. Mais maintenant qu'on est pas mal plus allumé sur les symboles, si vous écoutez mes émissions, vous savez c'était quoi. Est-ce que Alice Cooper était conscient, lui, de tous ces symboles-là, puis il faisait partie de ça? On peut penser que oui. Les Beatles avaient de la symbolique pas mal semblable à ça. Tout le showbiz depuis les années 50, ce n'est que de la descente aux enfers à travers des messages subliminaux. Et bien, bon, on vient dans le cadre. Petit retour ici sur le film Le Phénomène de l'été que vous avez peut-être vu, que évidemment je parle de Sound of Freedom qui est sorti au Québec vendredi passé. Il ne vous reste que 24 heures pour le voir dans certains cinémas, mais je sais que certains autres cinémas, dont les Goudzo, vont extensionner la présentation de Sound of Freedom, qui de toute évidence fait mieux qu'on aurait cru. Donc si on avait cédulé seulement une semaine et puis donc on extensionne, ça veut dire que ça marchait plus qu'on aurait cru. Donc excellente nouvelle, je suis allé le voir. Par contre, je suis resté un petit peu sur mon appétit, dans le sens où il n'y a rien de QAnon, il n'y a pas d'adrénochrome, ça ne parle pas de religion, comme les médias nous ont tenté de nous vendre. C'est un excellent trailer policier que je vous suggère de voir, très touchant, bien monté. C'est un excellent film. Et puis, on a ici
je vais vous mettre les commentaires de Donald Trump sur le film. C'est que hier soir à Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride, ils ont organisé une représentation en extérieur du film, un peu comme je fais l'été dans les parcs, donc avec un écran géant et devant des centaines de personnes, des invités de Trump. Ils ont présenté le film en compagnie de toute l'équipe de production du film. Et puis ici, on a, je vais vous présenter les commentaires de Trump tout de suite après que le film soit fini, lorsque les gens s'essuyaient les yeux parce que c'est très, très touchant. Et puis, j'ai pris cette vidéo-là et puis j'ai fait mettre les sous-titres comme vous pouvez faire tout le monde. Et ça a été un très, très gros hit d'avoir mis les sous-titres. Vous voyez, il y a 49 000, presque 50 000 impressions de ce discours de Trump avec les sous-titres, 1123 retweets, c'est un hit. Et vous pouvez faire la même chose. Comment ça marche? C'est que vous cliquez sur le bouton de droite sur une vidéo, par exemple n'importe quel. Regarde, je vais prendre une vidéo anglaise. Ben, je l'ai faite aussi pour Scribbot ici. C'est que vous prenez une vidéo, vous copiez l'adresse ici, bouton copier l'adresse du vidéo, et après vous allez sur le site internet ici, scribot.co, et puis vous copiez le lien du vidéo et vous cliquez sur transcrire et traduire, et puis en 2-3 minutes, il va générer les sous-titres et vous allez pouvoir télécharger le vidéo de là. Et puis, regarde, je vais faire un exemple. Par exemple, ici, on a... bon, regarde, un vidéo qui n'est pas trop long. Mais par contre, regarde, si je copie l'adresse ici, je mets ça là. Et puis, je clique « Transcrire et traduire ». Donc, je lui envoie la demande. Et puis, en dedans de 2-3 minutes, la vidéo va être traduite. Par contre, il y a une limite de 2 minutes. Il va traduire juste les deux premières minutes. Donc, si vous avez des vidéos plus longues, il faudrait les couper un petit bout. Mais si vous trouvez une vidéo que vous avez, qui est en anglais ou dans n'importe quelle langue, en fait, et puis vous le copiez là, ça va le traduire en français en quelques instants, vous le téléchargez et puis vous le mettez sur votre Twitter et ça risque d'avoir un très grand succès. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis bon, voilà. Maintenant, on va regarder ses commentaires. Très ému, les acteurs sont là, on y va comme ça. Thank you all very much. That was incredible. Jim, that was unbelievable. What a job. So, a president possibility. Yeah. I mean, you made this the hottest movie anywhere in the world, so I think maybe becoming the president of Mexico, by comparison, right? So I just wanted to thank you all. That was unbelievable acting. And Tim, what a job you did. Great combination, beautiful combination. Well, I hope you enjoyed it. It's something that I'm not sure if you're supposed to enjoy or learn. It's a combination, but that was a great movie. And I now understand why it's doing so well. It's setting records, by the way. It's beating the biggest movies out. They have some of the big summer blockbusters, and this is knocking the socks off of them, so that's pretty good. I'd love to have your potential. What potential? Anybody want to make a movie? Because I think Jim maybe will be available, but maybe not so long. It is an incredible thing that two movies, and you've done others, but two movies, two of the biggest, I guess the two biggest independents ever done. And it was an honor getting to know you. And I even agreed to do a podcast for somebody. Who's that somebody? Is that you, Tim? Well, that's the least I can do, and I look forward to doing it. So I hope everybody had a fantastic time. I did. It's an incredible inspiration. And you guys are something very special. Thank you very much. Thank you for being here. Come back anytime. Thank you very much. Donc, je me demande pourquoi c'est pas Joe Biden qui devrait faire la même chose à la Maison-Blanche, inviter tout le monde à parce que c'est important pour tout le monde d'être conscientisé contre la traite des enfants. Le défi est lancé, on devrait faire la même chose du côté, évidemment, de Joe Biden. On se demande pourquoi il le fait pas, hein? Mais je pense qu'on le sait, parce que évidemment, ça va dans leurs intérêts. Et puis, donc, voilà, c'était... donc, allez voir Sound of Freedom. Dépêchez-vous. Demain, c'est la dernière journée dans bien des endroits. Et puis, c'est un film magnifique. Le phénomène de l'été. Et puis, ben voilà.
On se revoit dans un instant. Ah, mes satellites popettes. Oh oui, vous méritez toutes des morceaux de robots. Je vous aime tellement. Parce que vous autres, là, dans la dernière heure, vous auriez pu écouter n'importe quoi sur la Terre. Écouter l'épisode de, je sais pas moi, 10 de la saison quoi, de je sais pas quoi. Non, vous avez dit non, vous avez écouté Cosmos. Vous avez écouté Cosmos, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup que vous ayez pris, que vous m'ayez choisi. Puis il y en a qui m'ont choisi puis qui veulent m'encourager. Puis parce que c'est de même, ça marche, on s'encourage. Parce que ce sera pas YouTube qui va me donner une paye, ça sera pas des commanditaires, ça sera certainement pas le gouvernement. C'est vous qui m'écoutez quand on passe le chapeau. Là, je vous passe le chapeau. Et puis il y en a qui répondent à l'appel. Je vais prendre le temps de remercier ceux qui ont fait en sorte que cette émission a pu être produite, a pu être possible pour les milliers d'auditeurs qui ont aimé ça, j'espère. Donc, je voudrais remercier du fond du cœur les dons que j'ai reçus cette semaine. Il y a Michel qui m'a envoyé un brun, 100$ de la part de Michel, merci beaucoup. Gilles, 20$, Marie-Pierre, 10$, Martin, 50$, Nancy, 10$ et Nathalie, elle, 17$. J'imagine que c'était une QAnon, ça, j'imagine, qui est allé voir Son of Freedom. Merci Nathalie, c'est super. Lise, D, 25$. Karine H, 10$, Yuri J, 20$, Mélanie L, 50$. Donc, ces personnes ont encouragé Capitaine Cosmos et il y a toujours ceux qui me soutiennent d'une manière récurrente sur mon Locals. Donc, c'est vous cherchez Cosmos Info sur Locals, le lien est dans la description du vidéo. Pour ça coûte 8$, vous avez une émission de Popstar et l'Occulte qui s'en vient en fin de semaine, début de semaine prochaine. Les amis de Locals, vous allez avoir une émission bonus et il y a du stock super hot concernant le 21 juillet, le nouvel album de Lil Uzi Vert. Donc, Lil Uzi Vert, on a de Travis Scott, qui est l'institut Travis Scott, qui est rendu banni en Égypte parce qu'il voulait faire une grosse cérémonie satanique avec les pyramides. Le gouvernement égyptien a dit non, on va en parler. Tous les vidéos que je fais sont là sur Locals, donc ça coûte 8$ par mois pour me soutenir. Puis, ceux qui l'ont fait, bon, vous pouvez écouter dès maintenant le Popstar et l'Occulte 18, mon plus récent. Donc, voilà. Ceux qui veulent contribuer à l'émission, donc pour faire partie de ce club d'élite, c'est Satellite Popette, mesdames, messieurs. Donc, si vous voulez m'envoyer des morceaux de robots, c'est par transfert Interact. Donc, vous allez sur votre application de téléphone ou application sur Internet. Vous allez sur le site de votre banque, vous choisissez transfert. Le genre de transfert Interact. À ce moment-là, ils vont vous demander soit mon numéro de téléphone, vous ne l'avez pas, ou mon adresse email. Mon adresse email est le Cosmos Show. A commercial protonmail.com, donc plutôt par là, Cosmos Show, A commercial protonmail.com, il y a deux S collés. La réponse à la question secrète devra être Cosmos, C-O-S-M-O-S. Cosmos sera la réponse à n'importe quelle question, genre, c'est qui le champion des tropiques, Monsieur Poupoup lui-même? Cosmos, mesdames, messieurs. Oui, je m'adresse à mesdames, messieurs. Pas autre en fait, il y a juste des mesdames et des messieurs. Choisissez. Êtes-vous une madame ou un monsieur? Petit gars, petite fille. OK. C'était ça, Cosmos. J'espère que vous avez aimé ça. Ben voilà. On se revoit lundi prochain en direct à 21h avec mon collègue de toujours, Petit Albert, que vous écoutez religieusement les mardis, mercredi soir, 23h, pour son rendez-vous Petit Albert avec vous, je crois, qui est une émission super fantastique pour les couches-tard. Sinon, vous le réécoutez le matin en allant aller à votre job dans le char. Petit Albert, shout-out, je t'aime beaucoup. Merci à Gilles Belle-Rose qui est avec nous, c'était fantastique. Merci à vous tous, manquez pas le duo majestique lundi 21h. D'ici là, on se dit bye-bye, c'était Capitaine Cosmos. Oh.